Jonathan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark. Donc là, en gros, c'est pour vous montrer un petit serveur auquel je joue. Si vous voulez le rejoindre, c'est celui-là. Donc, New FRPVE, les enfants perdus. Donc, parce qu'en fait, c'est vrai que le serveur est un peu vide. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez aller dessus. Il y a même un Discord qui va avec le serveur. Je suis souvent dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc voilà, après je vous demande pas forcément de le faire, vous le faites si vous avez le jeu, si vous avez envie de le faire. On va se faire un petit peu de gameplay dessus. Et voilà, en gros, n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez. C'est qu'on recherche pas mal de joueurs parce qu'au final le serveur est assez vide. Donc c'est avec, donc il y a le mode extinction, il y a le mode Shigo Island en map, qui est une très jolie map, donc avec les wyverns, tous les dinos en fait de Scorched Earth, avec une partie désert en plus, une partie désertique, et je vous montrerai plutôt ça dans le jeu en fait. Et donc extinction, c'est à peu près un semblant des, c'est à peu près identique on va dire à Anunnaki. Qui rajoute des dinos un peu spéciales, des alphas, des PNJ aussi, je vous montrerai ça un peu en gameplay. Et 2-3 autres trucs comme ça, donc comme vous voyez il y a 30 places disponibles. Mais bon, on peut être plus, hein, mais au moins 30 places sur le serveur. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez surtout pas, allez voir ça. Et vous pourrez, je vous mettrai aussi le nom du serveur et le nom et l'IP en plus si vous voulez l'ajouter, et puis venir nous rejoindre. C'est vrai qu'en ce moment je joue pas trop parce que en règle générale on est assez solo quand même, je suis assez solo à jouer sur Ark, donc c'est pour ça que je suis pas trop dessus. Mais comme vous allez voir, on a déjà quand même une plutôt bonne base. Donc là, moi je vais mettre en pause la vidéo, le temps de charger les mods, parce qu'il y a 12 mods. Donc il y a pas mal de mods, il y a S+, Plateforme+, Pilier+, Pilar+, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. On a les les trucs infinis. Il y a 2-3 autres mods, mais c'est des mods mineurs en fait. Les deux gros mods, c'est Shigo Island et Extinction. Donc des gros mods qui font quelques gigas. Et c'est vrai que franchement la map est très jolie. Il y a beaucoup de trucs dessus. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà, c'était le petit moment promo on va dire. Pour le serveur. Parce que c'est vrai qu'on manque un peu de joueurs, de communauté dessus. Et ça serait assez sympa. Voilà. Donc on va rejoindre. Moi je vous dis à tout à l'heure. Salut les amis, donc on se retrouve dans la partie. Bon, les textures sont en train de se charger au calme. Tac tac, donc on a déjà pas mal de choses. Donc pour vous dire franchement, donc je suis dans une équipe et tout, hein, donc vous voyez, nous on a encore rien de spécial non plus, on n'est pas trop avancé. Donc c'est un serveur qui est ouvert depuis un mois et demi, deux mois peut-être maximum. Donc je vais essayer de vous présenter un maximum ce qu'il y a dans Extinction et d'autres modes. Donc on est bloqué au niveau pour les joueurs à 300 niveaux, donc c'est bien mieux que le normal, donc avec du x8, mais c'est pas trop joué sur les stats restent normales comme sur un serveur Offi. Après on a, ah oui, il y a aussi ça, on a l'upgrade station. En gros ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut upgrader ces outils en primal, qui est la meilleure armure ou le meilleur grade avec extinction. Voilà. On va remettre les machins. Donc on a aussi Jurassic Ark, donc pour faire des barrières électriques, mais faut savoir que c'est pas forcément efficace sur tout. On a Équatrie aussi, on a donc ça c'est plateforme plus, donc ça c'est avec extinction. Donc on n'a pas grand chose de plus je crois. J'ai dû faire le tour de tous les modes. Donc comme vous avez vu, il y a des PNJ. D'ailleurs je vais enlever ça, regardez. Hop. Voilà. Donc on appuie, en gros j'ai découvert ça, que quand on appuie sur fin,
En gros, on efface le HUD quand on est trop loin des joueurs et des dinos, etc. Donc on a des Tribeman qu'on peut tuer, oui, mais qu'on peut tamer surtout. Voilà. Donc on va faire un petit tour en Rex. Voilà. Donc en gros il y a ah oui, ok, il a même pas eu de dégâts, c'est pas grave. Donc il y a des niveaux un peu comme sur Arc, les squelettales, là c'est cool. Donc on a les squelettales qui sont assez costauds, les alphas qui sont en dessous, on a les primes qui sont encore en dessous des alphas, mais il n'y a pas tant de primes que ça. On a donc faut savoir que moi j'ai souvent des crashs dus à ma connexion qui est toute pourrie. Donc voilà, tac tac. Donc on a vraiment une très jolie map. Donc avec des lags. Pourquoi je lag comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? 50 FPS, c'est bien. Donc le jeu tourne, je le mets en élevé là. Donc on, comme vous le voyez, on a des mantis qui rapportent pas mal de polymères. On a des alphas, des d'autres bricoles comme ça. Des squelettales aussi. Je crois qu'il y en a 4-5. Il y a les rex, les raptors et les brontos, stego, trike, je crois. Je sais pas exactement en fait ceux qui existent en fait en squelettal. En fait, squelettal, bon, si vous comprenez pas, c'est ceux qui existent en mode squelette. Bon. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Vraiment, il y a des très bons trucs. Pour l'instant, ce que je trouve le plus rentable en fait sur les le jeu, c'est les Tribeman qui loot en fait des croquettes et d'autres bricoles du genre en fait. Donc faut faire... What the fuck? Ah mais oui, c'est l'autre là-bas qui m'a cassé mon armure. Ouais, parce que faut savoir que les diplos en fait s'attaquent pas aux dinos mais à vous en fait. Quoi qu'il vous arrive en fait, ils s'attaquent à vous et pas, pas à votre dino. Vous pouvez être sur un Rex ou un Giga, et ben le diplo va vous niquer vous. En fait, voilà. Et là, les diplos bien sûr vous font des dégâts. On n'est pas sur un truc monde des bisounours. Hein. Donc voilà. Donc c'est un serveur x8. Moi je trouve ça très sympa. Donc avec beaucoup d'action, beaucoup de violence aussi. Parce qu'en gros, comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc voici un Stego Alpha. C'est pas celui que je suis en train de taquer. Mais là on a un Stego Alpha avec un Bronto Alpha aussi en plus. Je sais pas du tout. Donc comme vous voyez un peu ce que rend les alphas en fait au final. Parce que là en gros on a quand même un Rex assez pété. Mais le truc c'est qu'il fait des dégâts un peu comme des... comment ça s'appelle? Merde. Et puis aussi avec les changements de musique aussi, c'est assez sympa. Donc faut que je fasse attention à ma vie surtout. Parce que là, je commence un peu à en pâtir, on va dire. Voilà, comme ça, je n'ai pas de mal. À moins que... What? Allez, mais... Encore un alpha. Bah, ça me va. Faut savoir qu'aussi il y a des nouvelles ressources en alpha, bien sûr. Ben, en fait ça s'appelle pas alpha mais prime. En gros sur les dino prime on récolte de la peau prime et d'autres bricoles du genre. Hop. Donc voilà, là il est en train de se heal. Notre dino. What the fuck?
Donc j'aurais aimé vous trouver des PNJ. Donc les PNJ en gros ils ont des grades aussi. On peut avoir des PNJ de 3 ou 4 couleurs en fait. On a des blancs, des rouges, des verts, des noirs. Et en gros selon la couleur, non, en fait je dis ça moi peut-être CSP, vous connaissez peut-être mieux le mode que moi, mais je dis ça surtout pour ceux qui ne connaissent pas le mode. J'ai des latences, j'ai du ping je pense. Je vais avoir autre chose, je vais avoir des trucs qui utilisent la connexion derrière. Je suis coincé en plus dans lui. Là si vous voyez j'ai du lag mais je sais pas comment. Là, je sais pas à cause de quoi. Et donc il y a certains dinos qui sont un peu dire, pour moi je trouve cheaté les dinos, certains dinos. Un peu comme le Carnot et 2-3 autres dinos comme ça. J'essaie de me rentrer. Attendez, j'ai un truc. Ouais, j'ai 200 de ping. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment une connexion pas folle. Regardez, voilà, il y a des PNJ là. Il y a un PNJ, il fait pop un ours. Hop, voilà. Donc c'est l'équipe verte, on voit, parce qu'il a l'ours déjà un drapeau sur lui. Donc il lance pas grand chose, il lance des bolas et des trucs comme ça. Et bien sûr, faut savoir qu'ils ont vraiment des trucs très intéressants quand leurs loot sont vraiment très intéressants. Donc il faut savoir que souvent ils ont pas mal de vie ces cochons. Donc le but c'est de trouver d'abord le Trimman avant de tuer tous les dinos qui vont à côté. Ah là il y en a. Donc après faut les looter bien sûr, donc je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont sur eux. Hop, des kibbles. Donc kibble de... Ah, mais les mantis par contre ça peut être pas mal si on veut de l'organique polymère. Ça peut être cool. Mais là il y en a un peu beaucoup et puis j'ai beaucoup de lag. Pourtant j'ai rien qui pense derrière. Ouais, je crois. Attendez, j'essaye de chercher... Ouais, j'ai du gros lag, hein. J'ai de la latence. De la grosse latence. Non, ça c'était le Bronto. Non, il y en avait un pas très loin du Bronto. J'ai de la latence, hein. J'ai une grosse latence là de ouf. Mon... C'est du 200 de ping. Donc on trouve quand même des trucs assez intéressants sur les Trimman. Mais en fait le truc c'est que j'ai du ping, hein, c'est que du ping. Attendez, je vais voir un truc, hop. Tac tac tac, gestionnaire, je veux juste éviter de me casser les pieds. Qu'est-ce qui consomme de ouf? Ah merde, je crois que j'ai Windows qui fait une mise à jour. Attendez, je vais faire une petite pause, je vais me retourner vers ma base. Je vais me retourner vers ma base et puis je vais faire une petite pause histoire de mettre en pause ces putains de mises à jour parce que comme vous voyez c'est injouable. Surtout quand on n'a pas une grosse connexion. Je pense qu'en fait c'est un jeu auquel je joue qui fait une mise à jour. Et voilà. Et en gros, il y a même les manticores. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, donc Manticore, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Wyvern, Dragon, qui sont beaucoup plus gros que sur Anunnaki, et d'autres espèces de dinos un peu semblables à ça. Donc par contre, les Raptors infligent du saignement, un peu comme beaucoup de dinos. C'est un peu modifié sur ces points de vue-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous le précise. Donc je vais faire une petite coupure, je rentre vers ma base. Donc oui, qui est perché dans les arbres, on a eu pas mal de problèmes d'ailleurs avec ça. Parce qu'en gros, on a eu un micro-raptor récemment qui est venu et qui a détruit une bonne partie de notre base.
en gros frigo où il y avait toutes les kibbles, etc., etc. Donc voilà. Donc là on va faire une petite pause histoire que je règle le problème et on se retrouve tout de suite. Donc re les amis. Donc voilà, j'ai réglé le problème. En fait, c'est juste que j'avais des mises à jour sur mon Windows Store. Donc j'avais comment il s'appelle, Forza Horizon 3 qui se mettait à jour. Et donc voilà, parce que je ne peux pas sérieux ce jeu en fait, quand on a du ping il est injouable. Et là bon, regardez, maintenant je suis à 26-27 de ping, donc là ça peut être jouable encore. Donc en fait, si on veut prendre beaucoup d'XP et très rapidement, il faut tuer des alphas. Ça rapporte vraiment beaucoup d'XP en fait. Voilà. C'est quoi ça qu'il me faut? De la peau et des fibres. Mais j'ai pas de fibres et j'ai pas de peau. Bon, mais tant pis. J'ai un peu la gorge sèche là. Donc hop, 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 hop. Et après, on va remettre un peu en vie. Donc voilà, ça c'est la nouvelle interface. Donc on a les guns S+. On a l'upgrade station. On a la potion de suicide. Je sais pas avec quoi c'est. On a le Corpse Finder, donc qui permet aussi de récupérer son dino en fait, son dino, qui permet de retrouver en fait son cadavre. Donc après on a vraiment pas mal d'objets débloqués. Bon, on a aussi tous les objets de Scorched Earth, donc l'argile, le sel, mais ça c'est avec la map. Par contre on a aussi un mode château, ça j'avais oublié de préciser. Je vous précise un peu si vous voulez rejoindre le serveur, parce qu'on a 12 modes exactement, dont on va dire 2 qui sont vraiment balèzes, on va dire, qui portent vraiment, qui sont gros, hein, on va dire, parce que c'est ça, c'est gros, qui sont lourds, qui pèsent très très lourd. Donc on a vraiment pas mal de choses, donc on a beaucoup de choses qui sont rajoutées par extinction, on a des trucs qui sont rajoutés par d'autres modes, donc voilà. C'est vraiment très très bien. Allez hop, est-ce que j'ai... Oui, j'ai un peu. Donc on va manger un peu. Donc voilà, hop. Donc on a vraiment pas mal de choses. Donc je vous ai même pas montré la map. Ouh là là. C'est pas bien du tout ça. Donc voici la map. Ah, il y a un sillon en gros qui est au-dessus du squelettal encore. Et qui est très dangereux en fait. Donc on se trouve ici, tu voyez là où il y a marqué Mi. Terry, c'est autre chose, c'est notre histoire. Et le problème... Ouais. Ouais, donc voilà, on a vraiment pas mal de choses. Donc la zone où on est, c'est le petit Redwood. On a un gros Redwood au nord-ouest avec un gros marais. Et on a un marais aussi sur notre île. Donc chaque île, il y a les noms. Sur Sunato, il y a le biome neige en fait au nord-ouest. Et sur Asaki, Asachi ou Arashi plutôt, on a le biome désert au sud-ouest. Donc vraiment très très pas mal. Et sur Flicasso, on a en gros, comme sur Scorched un peu, une espèce de fente en fait dans le sol où on peut trouver des wyvernes, etc. Là, où on est sûr de trouver une wyvern. Donc là-bas on a un sion, c'est un nounours sion, donc j'ai pas vraiment envie d'aller voir parce que c'est assez violent. Donc là on a pas mal de trucs, un ultra raptor et tout. Là on a un alpha terror bird. Hop, on a l'alpha terror bird, on va essayer de se le faire. Voilà, hop. Mais le problème c'est que là je peux pas voir sa vie comme je l'ai fait avec d'autres. Ah bah voilà, il est mort. Faut que je... En fait, le truc, c'est que je regarde le sion. Tac. Donc, on a vraiment pas mal de trucs.
Hop, on tire en vitesse. Là en gros je suis un peu dans la merde, parce qu'en gros je suis bien entouré. Je sais que sur notre île c'est vraiment souvent la merde, parce qu'en gros on a l'ultra raptor squelettal, on a attendez, je vais éclaircir un peu tout ça. Tac, voilà, on y voit comme dans un jour. On a vraiment pas mal de choses qui sont pas forcément très intéressantes pour le moment, parce qu'on n'est pas très très gros. Vous voyez, à part ce Rex niveau 1000 je crois, ou pas loin du 1000 1400, mais bon, il a pas mal de niveaux qui sont pas pris, parce que j'ai pas envie de lui mettre en fait, voilà. Donc on a aussi les 1000 pattes en fait, mais eux ils sont dehors. Non, il y a 4 grottes je crois sur cette map. Donc vraiment une map que je trouve très intéressante. D'ailleurs j'ai toujours, j'ai pas remis mon chrono. Donc voilà, paf. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Hop, pour l'instant j'ai pas encore croisé de nouveaux dinos en fait sur le sur la map en fait. Qui ont été rajoutés il y a 4-5 jours je crois. Donc pour vous dire, voilà. Donc je pense qu'on va rentrer à la base. Et puis on va, je pense, quitter là. Je pense que j'ai pu vous montrer une bonne partie de ce qui était disponible sur ce genre, sur ce serveur. Et puis si vous voulez le rejoindre, dans la description je mettrai l'IP, le nom du serveur et tout, pour que si vous voulez le rejoindre et qu'on puisse partager encore un moment sur ce serveur. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresserait une suite, en gros, d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 épisodes dessus, pour pouvoir qu'on se retrouve dans un autre épisode. Comme ça, je saurais si vraiment j'en fais un autre, ou si je m'arrête là pour ceci. Donc, voilà. Si je m'arrête là pour ça, suffit de le dire. Voilà. M'arrêterai juste en gros j'aurais fait une vidéo pour faire de la publicité au serveur, car il est beaucoup vide, et comme vous voyez les il y a beaucoup de dinos en fait, et pas forcément des meilleurs. En gros c'est surtout pour faire le ménage qu'on essaye de faire un peu de pub. J'essaye de rentrer, c'est pas évident avec le Rex. Hop. Voilà, donc on a vraiment pas mal de choses. Donc je vais trier ce qu'il y a dans le Rex. Je vais vous dire, moi, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était MM Simulator, je vous dis ciao ciao.